Chers amis internautes, à chaque fois que vous prenez plaisir pour vous abonner à la chaîne, ça vous donne une possibilité pour que nous capables toujours de travailler. Vous encouragez nous dans ça à faire. Parlez seulement les vidéos, leçons, les conseils. Toujours réfléchir pour aller dans la zone ça. Quand vous avez un bail, vous pouvez marquer s'abonner. Si c'est en anglais, vous pouvez marquer subscribe. Ou abonner et puis nan parti ça ou pouvez like ou bay un petit pouce, ça a permettre que nous toujours disponible, encourager pour nous ba ou conseil pour nous ba ou tout ça qui important dans leçon yo pour nous ba ou message. Pas oublier les amis, toujours faites like ça et ou encourager nous, que bon Dieu le bénisse. Chers amis internautes, nous sommes vraiment contents pour que nous soyons capables de présenter nos leçons aujourd'hui, qui est la leçon 3, liée pour titre Quand le monde s'écroule ou encore quand le monde s'effondre. Verset de mémoire que nous joignons pour ce maintenant, c'est dans Ésaïe 7, verset 9. Si vous n'avez pas foi, vous ne tiendrez pas. En sorte que, chers amis, dans le moment que le monde l'a effondré, surtout dans la période que nous vivons, nous voyons comment nous pouvons aller de mal en pire. Nous voyons que la pandémie prend le pays, elle prend le monde. Nous voyons que l'insécurité chaque jour a multiplié. C'est le monde qui arrive dans le moment où il peut effondrer. Dans la situation difficile, ça va rôder autour de nous chaque jour. Si nous n'avons pas de foi, nous ne pouvons pas quitter. Nous allons perdre du travail, nous allons avoir des exigences chaque jour qui vont faire pour que nous-mêmes nous capables de tomber. Et si nous ne pas approcher avec les promesses de Dieu, c'est sûr et certain que nous ne pouvons pas tomber. Chers amis internautes, dans la période de cette étape vivante, pour lui, le monde va effondrer parce que la nation va craser. Mais bon Dieu te gagne contre la situation en main. Et Esaïe t'a constaté ça dans la vision qu'il t'a gagné avec mon Dieu. Dans la traduction de leçon ça, il va montrer nous, yon sabbat, te gagne deux personnages qui ont rapport avec Oni et Wa. Il t'a remarqué yon poule qui t'a volé, sorti dans le jardin avec fracas. Soudain, il t'a dit bon, sûrement bon bagay qui pas t'a aller bien. Et yo te dit oh c'est pas normal. Il pense que yon volay qui censé à l'abri, comment faire la sortir et n'a pas tiré li nan côté que li en sécurité à la plonger quitel. Maintenant, yo dit yo pas comprendre comment faire ça lui-même, li fait. Ensuite, yo t'a pral remarquer chien yo qui te rele Beethoven qui t'a pral échapper dans la cour yo avec qui est avec Daisy. Qui est Daisy? C'est une belle poule pondeuse qui a une belle plume blanche en arrière et que dit. Chers amis internautes, imaginons Daisy dans la bouche Beethoven. Beethoven prend Daisy dans le cou. Et à ce moment-là, Connie t'a pris courir pour que la secourue Daisy. Qui c'est belle oiseau, belle poule pour de ça. Et malheureusement, il a pris loin que poule là est tombé et poule là t'a pris mourir. Daisy t'a pris mourir dans la bouche Beethoven. Et à ce moment-là, Connie t'a pris crier, il t'a pris pleurer amèrement parce que poule lui a mourir dans la bouche chérie. Il dit qu'il ne pas comprendre comment bagaille ça lui-même lié. C'est le même, chers amis. Quand le monde l'a effondré, il y a beaucoup d'ennemis. Il y a eu le gouvernement qui a sabagé. Donc, nous, à travers l'histoire, ça que chien qui était chez Koni, poule là qui était pour Koni, malheureusement. Oh no!
koni li menm li ta pral subi yon aksyon violant de kanan sa. A note, chers ami, nan efondwèman moun sa, sa ka rive ke ou menm kom kretyen, ou menm ki se yon bon moun kap sekou yon lot moun, et puis malheureusement pour l'autre monde qui pas comprendre ça il pas comprendre que ou c'est bien ou faire l'a acculé c'est pour montrer chers amis même là ou faire bien ou pas comprendre ça continue faire bien c'est pour montrer que chers amis même là ou bail monde secours monde pas comprendre ça c'est continuer parce que c'est là que bénédiction nous disons merci chers amis continuez étudier le sens ça que bon Dieu capable de bénir. Nous allons gagner le son suivant. Nous espérons que pas oublier, abonner avec chaîne ça, ça va empêcher que vous toujours gagnez le son à temps et en heure. Que bon Dieu capable de bénir et bon sabbat de le Seigneur. Merci éternellement.